amis, aujourd'hui nous sommes encore ensemble pour faire la deuxième édition d'un petit idée qu'on a fait déjà il y a un an ou deux ans, que c'est un petit livre de cuisine internationale. D'accord, nous sommes ici ensemble avec tous les amis du Café International pour apporter chacun son plat préféré de son pays. Sucré, salé, c'est pour venir à commencer encore à être ensemble et partager toutes les choses qui sont dans notre tête depuis toutes les périodes de confinement. On commence encore à passer les bons moments ensemble. Chaque personne peut ajouter son petit morceau de son pays et de sa créativité avec les dessins, les décorations, la couleur et tous les bons plats de chaque différente nationalité. C'est une très jolie idée. C'est très joli à partager toujours la nourriture. Voilà. Salut Sonam. Salut Thérèse. Qu'est-ce que tu fais? Moi je suis en train d'écrire une recette tibétaine en fait. Et c'est une recette qu'on mange pendant la fête. Et voilà. Ça ressemble comme ça le moment. Et c'est ce qu'on mange pendant la fête. Et voilà les mariages et tout. Et c'est très simple. On va dire si chacun fait son taf, c'est très facile et ça prend pas beaucoup de temps. On va dire maximum 30 minutes pour la préparation. Et voilà. Et c'est genre, en Italie, il y a le ravioli. Au Tibet, il y a le momo. Et en Chine, il y a le gyoza. Ça ressemble pareil en fait. Voilà. D'accord. C'est, comment dire, ça se mange avec une sauce de piment, tu vois, c'est un peu pimenté quoi. On aime bien les asiatiques, on aime bien les pimentés, tout ce qui est pimenté en fait, voilà. Et la sauce, on prépare avec les tomates et on met le piment dedans. Et voilà, on saute ce wok et voilà, c'est ce qu'on mange. Oui, parce qu'il y a des tomates. D'abord et après la préparation. Oui, c'est bon, mais je peux.